Bonjour à tout le monde, nouvelle vidéo électrocuteur. Aujourd'hui, on va faire un feu tricolore avec notre USB32. Donc, on va faire un feu comme dans la circulation routière. Donc, on va avoir besoin de trois LED, une rouge, une orange ou jaune et une verte. On va brancher donc nos différentes LED sur la breadboard. Donc, on va mettre des résistances à la masse de chaque LED dans l'orange et aussi dans la verte. Donc ensuite cette masse-là, on va la prendre et on va la connecter dans la masse de notre USB32. Ensuite le fil rouge, peu importe la couleur du fil, mais moi le fil rouge, donc ça va être le plus de ma LED que je vais connecter à la pin 23. Ensuite l'orange, j'ai pris un câble orange mais peu importe. Donc ça va être le plus de ma LED orange. Et je vais le connecter à la pin D22. Il nous reste aussi la LED verte, donc le plus de la LED verte. Je vais venir le connecter sur le D21. Maintenant que le câblage est fait, on va pouvoir passer au programme. Donc on va à présent passer au programme. Donc niveau programme, c'est pas très compliqué. Donc on va porter time pour pouvoir gérer le temps. On va porter pin pour pouvoir assigner nos pins en entrée, en sortie, etc. Donc ici, on va avoir la lettre rouge qui sera assignée à la pin 23, GPIO 23, comme je l'avais dit. Le LED orange à la pin 22, la LED verte sur 21. Donc ensuite, on va prévoir trois durées d'allumage pour chaque LED. Donc la LED rouge, ce sera 3 secondes, la LED orange 1 seconde, et la LED 3, elle sera allumée pendant 3 secondes. Et ici, dans le while true, on va faire une boucle for dans laquelle on va faire LED durée in zip. Donc zip, ça va permettre en quelque sorte de parcourir deux listes à la fois, donc une liste qui va comprendre les trois LED, la LED rouge, la LED orange, la LED verte, et une autre durée. Donc cette liste durée, ça va permettre d'assigner en fait, on va parcourir donc élément par élément, donc la LED qu'on va allumer sera la LED rouge, et la durée, ce sera la durée numéro 1, 3 secondes, on va attendre 3 secondes ensuite, et on va l'éteindre, et ensuite on va avancer, on sera à la LED orange, mais avec une durée d'une seconde, on va éteindre la LED, on va reparcourir l'élément, on sera à la LED verte pendant 3 secondes, à éteindre la LED et recommencer, donc ça fait une boucle infinie de cette manière-là. On vérifie dans exécuter, configure à l'interpréteur que tout est bon, USB32, et notre port, il est bon. On fait OK, on peut à présent exécuter le script. Donc là on voit, pendant 3 secondes, c'est la LED rouge, pendant 1 seconde, c'est la LED orange, et ensuite, pendant 3 secondes, c'est la LED verte. Donc avec ce programme-là, MicroPython, aujourd'hui, on a pu faire un feu tricolore. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez vous abonner, liker, partager et commenter. C'était Electrocodeur. Ciao!